Qu'est-ce qui se passe avec ce désir? Un freinage assez chelou. Attends, tu m'étonnes ce qui se passe en ce moment. Ah, provenance Lille Europe. Il a desservi quoi aussi? Merde, j'ai mal vu. Ah, il a desservi Copenhague. Ouais, en effet, il est vraiment au ralenti. Mesdames, messieurs, le trafic est fortement ralenti sur le RER D. Sur l'ensemble de la ligne. Apparemment, à Gare du Nord, une personne a été heurtée par la ligne H. Voilà, vas-y, tu me perturbes, putain! En gare de Stade de France Saint-Denis. Je répète, mesdames, messieurs, attendez que le train se barre. Oh mon Dieu, c'est le dernier train parce qu'après il y en a trois supprimés de suite. Prochain train dans 1 heure. Sans déconner. C'est-à-dire que si celui-là il est parti, le prochain est à 9h33. Tu m'étonnes, il y a un triple supprimé hein, d'un coup là. Putain, le prochain est à 9h33. Mesdames, messieurs, prochain train dans 1 heure. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que apparemment le trafic est fortement ralenti sur le RER D, y compris sur la ligne H. Justement, sur la ligne H, une personne a dû être heurtée au terminus Paris-Gare du Nord. Donc le trafic est fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne D et H. Cependant, là, on voit 4 juste en face de moi. Le train est complètement retenu à quai. Alors que celui de voie 5 venait de partir. Et donc le prochain train pour le RERD est prévu à 9h33 et pourtant il est 8h16. Donc ça va être une sacrée galère pour ces voyageurs dionysiens qui souhaitent aller à Paris justement. Ah, lui aussi, il est tout doux.
15-40. Tout le monde sont dans un tollé, mais vraiment. Ils doivent attendre 9h33 pour avoir un nouveau train. Donc, prochain train dans 1h20. Le triple supprimé qu'il y a, le prochain train est à 9h33. Et il est 8h18. Prochain train à 9h33. Un triple supprimé est en cours. J'ai compris que le train Zaco venait de partir. Donc apparemment, le prochain est à 9h33. La braquette est toujours complètement retenue en gare. Tout ça depuis près de 10 minutes. Non, 31 et 04. Il y a un triple supprimé pour Paris. Hein. Il y a un triple supprimé pour Paris. Ça veut dire que le prochain est à 9h33 et il est déjà 8h19. 9h33, il y en a un qui est retardé. Bah, non, celui de retardé, il est parti. Hein. Ah, d'accord. Il y en a un qui approche la Paris-Nord, je crois. Non, pas du tout. Non, il écrit retardé. Regardez. Et derrière vous, là. Là, il est à l'approche. Non, ça c'est la ligne H. Une personne a été arrêtée au départ à Tours ce matin dans le secteur de Paris. Mais la D, c'est à 9h33. Il a repris toutefois depuis, mais des ralentissements de France sont toujours à prévoir. Merci de rester attentifs, les amis. Mesdames, messieurs, Régiolis pour Paris-Gare du Nord. Régiolis. Voilà, qui passe 0,22. Même pas. Ouais. Non, c'est pas un Régiolis, hein, c'est un Régio des Aisne, on dirait. Hein. Hauts-de-France. Tout le tableau s'est retardé, tout le tableau. Le tableau entier il est retardé. C'était ça le Paris-Gare du Nord, voie 5, mais celui-ci aussi il va être retenu en gare normalement. Comme celui-là, apparemment. Soit il va être retenu, soit il va envoyer le voyageur. Boum! Et imaginons les mecs du stade de France. Ouais, ben voilà. Dix-sept. Oh.
C'est quoi ce monde ? Alors monsieur, donc je vous reviens vers vous pour faire un point sur les trains à destination de la capitale. Donc sachez qu'actuellement un train à destination de Melun, un train Zaco à destination de Melun est en attente de départ en gare de Goussainville, je répète. Zaco à destination de Melun est en attente de départ en gare de Goussainville. Est en attente de départ en gare d'Aury-la-Ville, je répète. Pour vous qui attendez un train à destination de Paris ou du sud de la ligne D, sachez qu'un train à destination de Melun est en attente de départ en gare de Goussainville et qu'un second train à destination de Corbeil-Essonne est en attente de départ en gare d'Aury-la-Ville. Merci de votre écoute et de votre patience. Des attentes de grande distance, on va dire. Madame, monsieur, bonjour. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessert jusqu'à 9h. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessert jusqu'à 9h. Un accident grave de voyageurs survenu dans la matinée est à l'origine des perturbations. Nous vous remercions de votre attention. En plus, c'était à Gare du Nord l'incident. J'ai bien compris pourquoi. À quoi ça sert? Je l'ai prévenu, tu l'avais pas prévenu, je reviens. Ah putain. Oh, le tableau d'affichage qui est en train de péter un plomb. J'ai pas compris, 3 minutes là. Ils n'ont pas été tenus au courant. Non. Ah, il y a des salopards. Là, justement, c'est à la gare du Nord l'incident. Ils nous ont fait descendre, c'est là qu'on était dans le train tranquille. On va dire qu'on va les emmerder. Mais il y en a un autre là, on voit 5. Il y en a un autre derrière, lui aussi il va à Gare du Nord. Oui, mais si après moi je vais là-bas et quand il arrive, je vais à côté. Ouais, mais lui il est retenu là tout à l'heure là. Ça fait 5 minutes qu'il est. Là, celui-là, je vais. Ouais, bah celui-là. Voilà, on voit 7. Le coup, hein. Double intercité en moins de 10 secondes. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessert jusqu'à 9h. Je répète, la circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessert jusqu'à 9h. Un accident grave de voyageurs survenu dans le matin est à l'origine des perturbations. Nous vous remercions de votre attention. Le tableau est peut-être un peu. Il y a un autre en voie 4 qui arrive. Oui, bah oui, non, je crois que apparemment. Il y en a pour une demi-heure, quoi. Pour une seule. Il y a une demi-heure. Tout à l'heure, il dit supprimé, mais il est de retour. C'est pas possible.
Vraiment, j'aurais pu continuer à dormir. Là, pour... On peut dire que c'est vraiment une dinguerie. Non mais c'est vrai. Quoi, il y a un quai, une bordure de quai, et j'ai six fois. C'est pas comme si tu savais pas qui était là. Non mais c'est vrai. Attends, il y a un corbeiller sain qui clignote une minute. Il y a un corbeiller sain qui clignote une minute et non à l'approche. Ah bah, trop cher. Donc celui-ci est retenu en hangar ou peut-être que celui-là il va venir provenance du garage. Qui est tout juste à côté. Eh bah voilà, il y a un autre garde du Nord qui s'en va. Il faut le prendre, hein, mais bon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ben voilà. Allez, c'est parti. Il est toujours retenu en garde pour Saint-Ville, l'autre, les moyens là. Moi qui viens de partir, je sais pas. En tout cas, Villiers-le-Bel-Goussainville, c'est loin. C'est une grande distance. Ben voilà, il est à 10, il remonte à 11. Madame, monsieur, bonjour. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessert jusqu'à 9h. La circulation des trains. Pour Paris ça roule mal mais pour la banlieue ça marche. Destination de Saint-Saëns-Saint-Vivier, le parti de la gare de Paris Nord. Je répète, le train à destination de Saint-Saëns-Saint-Vivier, le parti de la gare de Paris Nord. C'est un Saint-Leu-la-Forêt qui s'en va. Ah ouais. Ah là faut écouter par contre. 8 ans de Ouais. Et c'est maintenant le trafic qui déconne. C'est le trafic info qui déconne maintenant. Qui vous paraît très suspect. Témoin d'une situation qui présente un risque pour votre sécurité ou celle des autres voyageurs, appelez le numéro d'alerte. Madame, monsieur, bonjour. Comme vous pouvez certainement le constater, la circulation de vos trains à destination de Paris ou du nord de la ligne est fortement perturbée. Une personne a été en effet heurtée par un train tôt ce matin dans le secteur de Paris Nord. Le trafic a été interrompu pendant plus d'une heure. Il a repris toutefois depuis, mais des ralentissements importants sont toujours à prévoir. Merci de rester attentif aux annonces sonores et à l'affichage en gare. Merci de votre patience. Madame, monsieur, je vous informe qu'un train à destination d'Aury-la-Ville desservant toutes les gares du parcours vient de quitter la gare de Paris-Nord et s'achemine actuellement vers la gare de Stade de France-Saint-Denis. Madame, monsieur, un prochain train à destination d'Aury-la-Ville entrera en gare de Stade de France dans quelques instants.
Allez, on recoupe la musique. Madame, monsieur, bonjour. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessertes jusqu'à 9h. Je répète, la circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions, des modifications de dessertes jusqu'à 9h. Un accident grave de voyageurs survenu dans la matinée est à l'origine des perturbations. Nous vous remercions de votre attention. Yesh! What the fuck, il est carrément ralenti! Plus 431. Qui attend de Melun, c'est à 8h40. Bienvenue sur votre attention, s'il vous plaît, à destination. L'usage de quitter la gare de Paris-Nord. Le train à destination de l'usage est de quitter la gare de Paris-Nord. Merci, une balance des informations de la hache maintenant. Et en plus, c'est en direction de l'Usarche. Papa, putain de merde. On va oublier la ville. Ok, la voie 4. Il y a un Paris Nord en voie 4. Madame, monsieur, bonjour. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des 187. La circulation des trains de la ligne H est fortement ralentie. Vous pouvez prévoir des suppressions. Ah, bah oui, prenez-le, c'est mieux. 9h, un accident grave de voyageurs. C'est un Paris Nord, c'est bon. À l'origine d'une perturbation. C'est interdit de fumer dans la gare. Je vais pas être vigilant pour les non-fumeurs là qui sont là.
4321, 4322. À l'approche. Celui qui venait d'un démarrer de Boussin tout à l'heure. Putain. C'est un enculé. Quand tu vois que le RERD est vachement perturbé, ça donne ça. C'est blindé à mort. Oh putain. C'est un calvaire. Tout le monde est paralysé. Ça pète les visages, ça pète le corps, c'est énorme. Non, vous pouvez pas, c'est pas la peine de forcer. Il y en a un, ça bloque là-bas. C'est bon. Là-bas, le orange, là, toujours. Il y a que lui, là. Voilà, c'est bon.
à lui, tu pars en même temps. Il y a que du orange sur le tableau. Que du retard. Ah bah, c'est que du H là ici, c'est que du H. Un pauvre garçon. Ouais. L'usard c'est mort. Gardinor c'est mort. Sarcelle c'est mort. Persan c'est mort. Savelamore c'est mort. Gardinor c'est mort. Putain, tous les trains sont morts à cause de ça, putain. Je filme. Putain, c'est pas normal. Yesh ? Non, c'est pas vrai. Il y a un prochain billet level qui est Terminus Saint-Denis. Oh, c'est pas normal ça. Il y a un prochain billet level qui est Terminus Saint-Denis. Donc, l'émission VUP devient EOVA pour Saint-Denis. Est-ce que je peux l'avoir ici? Merde. Comme quoi tout peut être génial ici, hein. En vrai, ça me concerne pas, ça me concerne que les autres, hein, mais bon. Je vais mettre mardi. Je pense que cette vidéo, je vais le surnommer Mardi Noir sur la DEH. Ah, info trafic. Qui reste compliqué en cette matinée sur l'ensemble de votre ligne D. Il y a de l'attente à prévoir sur l'ensemble de vos quais, que vous soyez en train de rejoindre Paris depuis le nord ou le sud de votre ligne. Mais... Hop ! Et ben voilà, encore une coupure. Comme vous pouvez certainement le constater, la circulation de vos trains à destination de Paris au nord de la ligne est fortement perturbée. Une personne a été en effet heurtée par un train tout ce matin dans le secteur de Paris Nord. Le trafic a été interrompu pendant plus d'une heure. Il a repris toutefois depuis, mais des ralentissements importants sont toujours à prévoir. Merci de rester attentif aux annonces de l'heure et à l'affichage en gare. Merci de votre patience. C'est énorme ça. La voie 5 est complètement paralysée. Il est où le vieux prend terminus? Non, il est toujours pas arrivé, le vieux prend terminus. Ah, c'est toujours compliqué. Même un train, il est tellement en retard. Ma
Voilà, monsieur, comme vous le constatez toujours, la circulation est toujours très fortement perturbée pour vous qui voyagez vers le nord ou vers Paris. Une personne a été heurtée très tôt ce matin en gare de Paris-Nord. Cette personne a été heurtée par un train en gare de Paris-Nord. La circulation a été interrompue pendant près d'une heure. Elle a repris depuis, mais des forts ralentissements sont toujours à prévoir, ainsi que des modifications d'itinéraire. Je vous informe qu'un train à destination de Corbeil-Essonnes vient d'entrer en gare de Villiers-le-Bel. Un train à destination de Corbeil-Essonnes vient d'entrer en gare de Villiers-le-Bel. Il desservira toutes les gares du parcours Biarritz-Orangis. Ah donc il est omnibus, il sautera même pas, de gare. Moi je veux un E300 Alstom. Oui, c'est un E300 Alstom et je suis content. Pour London, Saint-Pancras. Madame, monsieur, à la voie 3, dans quelques instants, entrée d'un train terminus. Je répète, à la voie 3, le prochain train qui entrera en gare sera un train terminus. Il ne prendra pas de voyageurs, il sera à destination des garages. Je répète, à la voie 3, entrée en gare dans quelques instants d'un train terminus. Merci par conséquent de ne pas tenter de monter à bord. Je vous informe qu'un train à destination de Goussainville est en attente de départ en gare de Châtelet-Léal. Madame, monsieur, à la voie 2, à la voie 3, le prochain train qui entrera en gare de Saint-Denis ne prendra pas de voyageurs. Il est à destination des garages. Ce train ex-VUP, un train qui est devenu, qui était un VUP, s'est transformé en mission EOVA. Il a pour terminus Saint-Denis et sera en direction du garage qui se trouve pas très loin d'ici, à 3-4 minutes environ. Donc je répète, ce train qui était un VUP est un train EOVA. Il a pour terminus la gare de Saint-Denis et sera en direction du garage. Le 12 et le 17. Pas besoin de bouger.
40e TGV. Septembre 1990. Donc voilà, je vous ai présenté le mardi noir à la gare de Saint-Denis, je répète. Je vous avais montré un mardi noir sur l'ensemble de la gare de Saint-Denis. Qui s'en va. Donc voilà, je vous ai présenté tout le mardi noir à la gare de Saint-Denis. Et tout ça est une galère totale. Alors, allez doucement, c'est le bordel. En tout cas, quand j'étais dans le train, j'avais eu vraiment de la chance. Mais bon, j'ai voulu juste vous montrer comment c'était. Vidéo terminée.